Et lui les gens, bienvenue sur frappstesjeux.fr ou sur mon blog tissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de notre aventure sur Horizon Zero Dawn. Je vous le rappelle, un jeu qui m'a été offert par Nemesis, mais cette fois il s'agit de l'extension The Frozen Wilds qui m'a été offert par Eleanor. Donc merci beaucoup à vous deux, et il ne faut pas oublier qu'on joue sur PS4 et c'est une console qui m'a été offerte par Celt. Donc merci beaucoup à vous trois en fait. Du coup, c'est bien beau tout ça, on va où maintenant? On part dans cette direction là, j'avais dit qu'on s'occuperait de la mission concernant les trois chasseurs. Et je ne voulais pas me retrouver directement à côté de du feu parce que j'avais peur que ça déclenche la mission dans la vidéo précédente. Donc attaque imminente, annexe et trois chasseurs, voilà, c'est parti. Je ne sais pas si j'ai pris le bon chemin, mais c'est pas grave, on y va. Est-ce que c'est du soin ça? Ouais. Je prends au cas où. Parce qu'on peut d'ores et déjà se douter qu'il va falloir affronter avec eux les bestioles dont Burgren veut récupérer les pièces en paiement. Rappelez-vous, je vous rappelle que c'est ça la mission, c'est-à-dire qu'il y a Burgren, le commerçant, là, le marchand, qui veut absolument qu'on aille voir les chasseurs puisqu'ils lui doivent de l'argent. Et pour cela, il leur a dit, ben, si vous me ramenez telle pièce et telle autre pièce, j'accepte de tout oublier, quoi. Vous aurez payé vos dettes, avec intérêt. Ah, apparemment ils sont par là. Bonjour. Ah bah ça se déclenche pas automatiquement, d'accord. Vous connaissez un océram de la cime du champ appelé Burgren? Lui, cet escroc a envoyé son assistante récupérer ce qu'on lui doit. Je ne suis l'assistante de personne. Je vais vous aider à extraire des pièces. Sauf si vous préférez lui rapporter des pièces cassées. Des pièces cassées? Ce groupe va bientôt partir. Pas le temps de parler. Si elle veut aider, autant accepter. Bien. On va aller attaquer ces machines. Si tu veux nous filer un coup de main, je t'en prie. C'est bien ce que je me disais, il y avait un dédoublement sonore. On va peut-être virer celui-ci. Parce que je trouve ça bizarre quand même que... En fait, pour tout vous dire... Il y avait deux sons qui étaient activés sur ma carte mère, donc j'avais un décalage. Je pensais que ça venait de la télé, mais en fait, non. Tuer les machines. Bon, déjà, on a quoi comme machine dans les environs? On a une là. Une là. Ça, c'est toujours avec nous. Oui, on l'a piraté. Celui-là aussi. Donc, on s'était déjà occupé de la zone, non, il me semble. Ouais. Il y a notre machine là-bas. Bon, on y va. Ah bah non, on n'y va pas parce que les doigts dans le nez, ça marchera pas. Ça c'est pas bon. Aïe. Tu m'excuseras, mais alors déjà on va changer ça. Artisanat, inventaire, armes. Il me faut ceci. Voilà, ça j'ai récupéré. Tu m'excuseras, toi, 30 secondes. Ouh, c'est quand même bien violent, c'est quand même bien violent. On se calme, les gars. Pourquoi cette bestiole en a toujours plus après moi qu'après les autres? Où est son arme? Où est son arme? Voilà, venez à moi si vous le souhaitez, il y a des trucs partout. Voilà, c'est bon, j'ai fini de faire le tour. Maintenant, vous pouvez venir jusqu'ici. Pas trop ce que je suis en train de faire, mais j'essaie de le faire. Non mais si vous explosez toutes mes mines, elles ont servi à quoi, les gars? Non!
Moi qui étais super content d'elle. Joli ça, très joli. Je me tire, bougez plus. Il n'y avait pas un deuxième truc comme ça qu'il pouvait péter, non? Allez, on se calme. Ouais, je sais plus trop où est-ce qu'on en est. Je sais pas trop à ce quoi il leur tire dessus, mais ça m'a trouvé être très efficace quand même. Ah bah avec des petites bombes, ok. Hey. Ce fut laborieux. On aura perdu un petit peu de vie. On a fini par l'avoir. Boîtier de pilleur de machine, je dis pas non. Encore une petite boîte. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Ce que cela nous propose. Je prends. Il faut que j'aille parler à quelqu'un d'autre là-bas. Encore une boîte de pilleur de machine. C'est la fête. Tu veux parler de notre accord avec Burgren? Parlons. Ok, bon, on y va. C'est fait. Vous êtes plutôt utile au combat. Merci, je suppose. Mais on n'a pas besoin d'aide. On se débrouillait très bien sans toi. C'est pas ce que raconte Burgren. Il dit que vous avez essayé de le payer avec un cœur de gueule d'orage en miettes. Quoi? C'est complètement faux. Il était juste cassé en deux. Urkaï, c'est pas le moment. Allez, on se remet en chasse. Il nous faut encore deux des pièces de Burgren. Vous êtes pressé? On veut quitter ces terres dès que possible. C'est tout ce que je te dirai. Pourquoi vous quittez la plaie? On pourrait retourner à Banur, pour qu'on écoute nous tranche la gorge. Par la lumière bleue, Urkaï. Pourquoi tu n'écris pas notre histoire dans la neige pour que tout le monde le sache? On s'est disputé avec le chef de notre ancien Vérac. On voulait quelqu'un d'autre à notre tête. Ça ne lui a pas plu. On s'est dit que c'était le moment de partir. Alors, on se dirige vers l'Hélium. D'ici à l'Hélium, ça fait une trotte. Ça en vaut la peine. Parfois, la survie, c'est savoir quand partir et où aller. Ouais, et dans notre cas, la survie, c'est s'éloigner autant que possible de Banur. Ça suffit, la neige rouge. Vous ferez quoi une fois sur place? Comment vous survivrez là-bas? Écoute, pour nous, tout ce qui compte, c'est d'y arriver. Et pour ça, il faut des éclats. Alors, si tu veux bien... Ce cœur que vous avez rapporté à Burgren... Laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que ça peut faire si le cœur était cassé en deux? On peut pas simplement le recoller? Évidemment qu'on peut pas le recoller comme ça. Je voulais... juste... Oh, je parie qu'il pourrait, cet escroc d'Océram. Il voulait juste qu'on aille lui chercher d'autres trucs. Oh, il est pas si méchant. J'aime bien Burgren. Sérieusement? Tous les Macs, ils nous envoyaient mourir dans la neige sous les pieds d'un gueule d'orage, et... Les gars, fermez-la! Ah! À chaque fois que quelqu'un nous parle de ce fichu cœur... J'ai la griffe de grilleuse que vous a demandé Burgren. Il reste le tendon de traqueur et le croc de carapateur. Tu devrais le garder. Tu vas nous accompagner pour la prochaine chasse, non? Il faut bien que quelqu'un vous ait à l'œil, tous les trois. Soit. J'imagine que tu n'as qu'à nous suivre. Mettez pas dans notre bande. Les congères sanglantes n'acceptent pas de nouveaux chasseurs. T'es sérieuse, là? C'est comme ça que tu vas appeler notre Vérac? Ouais, c'est pas top, ta taille. C'est pas comme si vos noms étaient mieux. Toi, on va au nord-ouest, vers les ruines près de Chambre Creuse. On attendra. Ok, bon, on y va, là.
Faudrait éviter qu'il parte sans nous, donc ça c'est réglé. La suite c'est par là, ok. Faudrait que je trouve aussi des crasheurs de je ne sais plus quoi là. Et nous voilà arrivés à destination. Alors voyons voir. On part par où? On va suivre le chemin de toute façon. On va couper un peu. Ça aurait été bien que je trouve des rats aussi. Ils sont là, bonjour. Voilà le troupeau. Vous êtes prêts? Tu plaisantes? On est toujours prêts. À l'assaut, crâne embrasée! Non, c'est trop nul. C'est vrai que c'est pas génial. Mais bien tenté, Yokai. Laisse tomber. Allons tuer des machines. Alors, il y a un tracker quelque part. Mais au milieu de toute cette neige, je suis pas sûr de le repérer facilement, lui. Il était là, le tracker. Bonjour, mon cher monsieur. Toi, mon gant. Montre-moi ton truc d'invisibilité. Voilà, au moins tu ne seras plus invisible. C'est déjà un bon point. Patiente un petit peu, s'il te plaît, toi. Allez. Secondes et je t'achève. Voilà. Suivant. On l'a élu aussi, c'est bon. Ouais, ça, ça sent pas bon. On va essayer de noter les points importants. Mince. Tu l'as libéré. Ça, c'est pas très malin. Waouh, waouh, waouh. On se calme, ma grande. C'était pas prévu cela, il s'était pas prévu. Il sort d'où le veilleur là? Ou KO, faut qu'on en profite, Yes, achevé. Toi on t'achève. Et niveau 54 atteint en même temps, oh c'est beau. Voilà. C'est bon, on y est. Plus de soucis. On va récupérer les morceaux restants. C'est pas pour vous trois, mais je me sens mieux. Aloy, t'as pris la pièce? Je crois, oui. Ah pardon, j'étais un peu coupé dans ton élan, mais je voulais débloquer le dernier point de compétence. Juste ici. Voilà, inventaire, nain. Encore jamais croisé un troupeau qu'on n'a pas pu abattre. Eh bien écoute, tant mieux pour toi. Bon, moi faut que je refasse un peu le plein. Je sais pas pourquoi je recharge ces flèches, je ne les utilise plus. Donc pourquoi les recharger? Et encore une pièce. Plus qu'une et vous pourrez rembourser Burgrend. Je commence à y croire, pas vous? Je commence à penser qu'on va réussir à partir.
Franchement, je pensais qu'on tiendrait pas une semaine sans Nukoni. Mais on s'en sort. C'est qui, Nukoni? Ah, Nukoni... Nukoni, c'était... C'était une de nos amies. Elle a défié le chef pour le contrôle de notre... du Vérac. Elle s'en est pas tirée. Non. Si tu tiens à raconter cette histoire, dis la vérité. C'était un meurtre. C'est pour ça que vous avez quitté Banur? À cause de cette histoire avec Nukoni et votre chef? Onekut savait que Nukoni était notre mentor, notre ami. Il fallait qu'on parte. La dernière nuit, on est revenu au camp, fait nos bagages et filé. Comme des lâches. Qu'est-ce qu'on est, Tataï? On est Banuk, pas vrai? Survivre et vaincre, c'est ce qu'on fait. C'est pas ce qu'elle a fait. Nukoni a défié le chef? Pourquoi? Onekut s'enveloppait de pouvoir et d'autorité comme d'autres s'enveloppent de fourrure. Ceux prêts à le flatter, à mentir en chanson, pouvaient participer aux meilleures chasses. Le Vérac s'est divisé. Ceux prêts à lécher les bottes d'Onekut, et nous autres, attendant des jours meilleurs. Jusqu'à ce que Nukoni... C'était la meilleure et la plus courageuse. La seule à se rebeller. Il s'est passé quoi? Comment est morte Nukoni? Elle a défié le chef pour une compétition de chasse. Onekut, l'ordure. Il était loin d'être aussi bon chasseur qu'elle. Mais qui est revenu au camp après l'épreuve? Onekut, gai comme un carapateur, en criant « Oh, où est la petite Nukoni ?» On a pisté Nukoni dans la forêt. On l'a trouvée près du départ de la voie. Avec la nuque brisée. Je ne veux pas me souvenir d'elle comme ça. Mais des fois, ce souvenir... Et tout ce qui me reste. Désolée, Tataï. Elle semblait beaucoup compter pour toi. Pour vous tous. Je suis désolée pour cette histoire. C'est gentil à toi. Merci, Aloy. Bon. On oublie ça, ok? Ce qui s'est passé à Banur restera à Banur. Ce qui compte maintenant, c'est d'arriver jusqu'à l'Hélium. Parce que c'est là-bas que les dindes ardentes vont se faire un nom, pas vrai? Oh, les dindes ardentes, sérieusement? Ça sonne pas trop mal. Comme le glas du respect. Alors, prochaine étape? Y a un lac à l'ouest d'ici. L'endroit idéal pour trouver un croc de carapateur. On se voit là-bas. Si tu arrives avant nous, attends près du feu de camp. On sera pas long. D'accord. Bah ça va pas être bien compliqué en fait. Et comme par hasard, c'est la dernière zone que j'avais laissée. C'est beau ça. Faudra vraiment que je m'occupe de la zone de chasse aussi. Non mais, voilà, le feu de camp, c'est ça qu'il me faut. Aucun signe d'eux. Je vais attendre ici. Parfait, on y est. Y'a pas un rat par hasard, dans le coin? Par contre, y'a un écureuil là. C'est un os de rat qu'il me faudrait. De ravitaillement. Certes, j'ai fait un déplacement rapide, mais je suis arrivé longtemps avant eux quand même là. C'est pas super cool. Bon, on va au moins essayer de démonter une des deux machines. Avant quoi que faire quoi que ce soit, hop, on repère ceci. Charognard démoniaque. Je tente le tout pour le tout. Mais ils sont là, ils étaient pas là il y a 5 minutes. Non, 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 non.
quand même à aller désactiver l'autre si possible. Je me sentirai plus tranquille comme ça. Allez, on y va. Allez, mais... Pirate-moi ce truc, s'il te plaît. C'est bien ce que je me disais, il y en a une troisième. C'est bon, je l'ai eu. Je sais pas si j'ai vraiment touché ce que je voulais. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Le mec qui ramasse les poissons en attendant. Qu'est-ce qu'il fout là ce carapateur? T'es bien gentil toi mais... Ouh j'ai bobo. Tu te casses. T'es pas mon pote. Mais t'es en béton. Est-ce que je t'ai eu ou pas? Oui, ça souffle, attention. Ça fait pas beaucoup de dégâts entre nous, hein. On va essayer de scanner un peu tout ça pour voir ce qu'il leur reste à chacun là. Aïe. Je vois rien là. En plus, il va commencer à faire nuit. Ah, les flèches qui partent n'importe comment. Encore raté. Bon. Complètement raté, qu'on se le dise. Ah, j'aime pas les... l'inertie qu'il y a dans les joysticks. Ah, là je crois que j'ai touché par contre. Aïe. Il y en a trop dans tous les sens en fait, c'est pas pratique. Non mais oh, mais vous allez vous calmer? Oui, ils sont tous mes collègues, ils sont tous morts ou quoi là? Oh là là.
Voilà, enfin un en moins. Que je me barre d'ici moi avant qu'il m'arrive des histoires. Bon, il reste encore combien de vivants là? Je sais pas si j'ai eu ce que je voulais. Apparemment, oui. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à maintenant avoir la poche qu'ils ont sous. C'est embêtant l'attaque à distance comme ça. Une en moins, c'est toujours ça de prix. Non, dégage. Bon, s'il faut y aller comme ça, on y va. Allez, remonte à l'œil, fais ton boulot. Ça c'est quoi ça qui vient de sauter là ici? Ah là là. Tiens. Encore un en moins. Encore un autre. Non, 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 tire-toi. C'est bon. Et apparemment, je n'ai pas encore tué toutes les machines, décidément. Il y a trop de monde. On est très lumineuse, c'est pas grave si je peux pas les ramasser. Je sais même pas si je peux activer les machines en fait une fois qu'elles sont piratées. Faudrait que je regarde. Apparemment on n'a pas tué tout le monde. On va l'activer ceci là-bas. En regardant par la même occasion si on peut pas tomber sur d'autres éléments. Parce que je trouve ça bizarre. Il y en a déjà un qui est là. C'est quoi ça? Grive lymph. Ah! Là-bas, il reste un carapateur. On va peut-être réussir à y arriver au final. Ah, succès. Bon, allez, viens par là, faut qu'on discute. On est pile au niveau du barrage d'ailleurs. Pour une fois qu'il s'attaque à quelqu'un d'autre que moi, faudrait pas que je me plaigne. Allez, viens là. Il est parti où comme ça là?
cru que c'était quelqu'un qui était mort par terre, ça m'a fait peur. Voilà, on va tenter de faire ça. Et ensuite faire ça. Avec un petit peu de chance, ça fonctionnera mieux. Et c'est le bon! C'est magnifique, les amis! Allez, on a des petits coups, s'il te plaît. Et cette fois-ci, on a vraiment tué toutes les machines, c'est bon! Pour le moral, c'est bon, bon! Alors, on voit les boîtes. Non, non. C'est bon. C'est vraiment fini là? Je vais devoir abandonner autre chose. Ah, mais j'ai pas envie. Viens voir, Aloy. On va pas se quitter comme ça, hein? Voilà. C'est la dernière pièce de Burggrend. Vous avez réglé vos dettes. Pour l'instant. Jusqu'à ce qu'Urkai casse autre chose. Je l'ai fait une fois! Tu ferais un bon chaman, Aloy. Merci pour ton aide. Peut-être qu'on se recroisera dans l'Hélium. Une fois dans l'Hélium, vous ferez quoi? Quel est le programme? On chassera comme Nukoni voulait chasser. Nukoni avait de grands rêves. Un Vérac dans lequel chacun fait sa part et prend soin des autres. Pas de chaman, pas de chef de clan, pas besoin d'arracher le pouvoir des mains de qui que ce soit. Ce sera pas simple. Et ça en vaut la peine. Ce sera un hommage à Nukoni. On deviendra le Vérac dont elle a toujours rêvé. Je ne serai plus là pour dépecer les machines. Vous vous en sortirez? Non, c'est pas compliqué en fait. Ça ira. Génial. Il regarde trois dépeçages réussis et il se prend pour un chaman. Une fois à la cime du champ, allez voir Burggrend. S'il ne peut pas vous l'apprendre, il vous conseillera quelqu'un. Ouais, et il nous fera payer pour nous le présenter. Merci, Aloy. Je suis sûr qu'on y arrivera. C'est l'heure de dire au revoir. Ça fait quoi, d'abandonner les terres Banouk? J'ai déjà perdu la seule chose qui m'aurait manqué. Tous ces lèche-bottes de Banour peuvent bien crever de froid. Tu vas un peu loin, Urkai, tu ne crois pas? C'est bizarre. Comment être Banouk quand Banour vous a renié? Comment décider qui on est? Pardon. Qu'est-ce que t'en dis, Aloy? Qui on est, d'après toi? Qu'est-ce que tu retiendras de nous? Ce que vous avez enduré, ce que vous avez accompli, et ce pourquoi vous battez. L'idéal, ce serait un mix des trois, je pense, mais je vais quand même choisir ce que vous avez accompli. Regardez, vous avez abattu plus de machines depuis Banour que certains chasseurs en un an. Malgré les cœurs en miettes, hein, Urkai? Il était pas en miettes. Mais vous avez abattu un gueule d'orage pour ce cœur. C'est vrai. Alors, c'est sûrement stupide. Mais, et si on était les cœurs en miettes? Eh bien, ça me plaît bien. Ouais, c'est pas trop mal. Merci, Aloy. Tu as compris qui on était. Yes! Je suis ravi qu'on t'ait rencontré, Aloy. C'est fini? Oh, ce froid me brûle comme Allez, le soleil. On va régler nos comptes avec cet océram. J'ai hâte de revoir Burggrend. Je l'aime bien. On peut plus parler à tout le monde? Tu vois, j'aime bien chasser avec toi, Aloy. Bon, d'accord. Ensuite, donc ça c'est fait, et on a accompli toutes les quêtes secondaires de style, du style où il fallait détruire les tours. Donc ça c'est fait, on va peut-être retourner voir Burggrend, quoique, ça serait bien que je m'occupe du souffle de forge avant. Quoique non, on va d'abord aller voir Burggrend, pour essayer de vendre une partie de notre équipement, ça sert à rien de, si on ne peut rien ramasser. On le verra que verra la peinture de Séculi, ils entendront aussi parler de ce que j'ai fait pour l'aider. Mais ils ont forcément entendu parler de moi. Plus rien ne m'empêche de défier Arathak. Nous voilà arrivés à destination, on va aller parler au marchand. Bonjour, toi. Faudrait améliorer, je n'en veux pas.
les tenues non plus. Ah, chef de Verak Banouk, c'est quoi ça? Il faut une peau de blaireau, fait remonter la santé progressivement. Bon, de toute façon, c'est pas non plus forcément plus intéressant que ce que j'ai. Sculpture antique, bon, ça s'échange. Ça aussi. Une chaussette seule, on va l'échanger aussi, tant qu'à faire. Les cœurs, on les garde. Mulette antique lisse, ok. Faudrait que je regarde un petit peu. Ça, ça s'échange. Mais j'en ai trois, donc on va les échanger comme ça. Échanger. On a vraiment très très peu de flambées par contre. Ça je vais en revendre. C'est vrai que c'est assez rare que j'attaque au gel. Je pense qu'il serait plus intéressant pour moi d'avoir des de la flambée. J'ai plein de câbles et ça aussi ça me plaît. Ça c'est quoi, brûlure de métal? Je vais les garder. J'hésite à vendre tout ce qui est lentilles de galerage. Acheter, il faut quoi? Peau d'écureuil, peau de chèvre et peau de blaireau. Faudra juste que je tue un blaireau et ça devrait être bon. J'ai envie de voir ce que contient cette boîte. Boîte de flambeur d'éclat. Ah ouais. Des pierres. Il y en avait combien? Comment rendre les gens épileptiques? Bon, d'accord, ok, ça c'est fait. J'avais dit que je vais aller voir Bogren. C'est ce que nous allons faire. Je pensais pas qu'il était si loin. Burgrend, ton investissement a payé? J'ai fait une affaire, merci beaucoup. Hé, hey, tu sais que ces trois banouks cinglés s'appellent les cœurs en miettes, maintenant? Bon, maintenant que j'ai ces pièces, je peux rembourser mes propres dettes. Ils sont partis au sud? Oui, en effet. J'ai un ami dans l'Hélium, il s'appelle Autour. Il me doit un service. Ce vieux Autour est un charognard de machine. Il se débrouille pas trop mal. Je les ai envoyés apprendre avec le meilleur. Ou avec le pas trop mal? Bah, on fait avec ce qu'on a, tu sais. À ce propos, tiens, en gage de ma gratitude. Ouh, merci. J'y gagne quoi? Trois cristals bleus, joli! Et de l'expérience, bien sûr. Je suis en train de parler. Alors, attendez. Non, ça m'intéresse pas. Ressources, il me faudrait de la flambée, mais ça coûte tellement cher. Ce que j'aurais aimé avoir, c'est des... Je sais plus ce que je voulais dire. C'est un gars qui vend des trucs de peau et tout, ça aurait été pratique ça. Si jamais tu croises les cœurs en miettes par hasard, passe-leur le bonjour. Je sais même pas si on peut les recroiser vraiment dans le jeu. Bref, on va s'occuper d'une dernière quête avant de quitter cette vidéo. On va aller au sud et aller s'occuper des souffles de forge. Comme ça on aura terminé aussi la mission pour la miss là. Et voilà, alors, pom pom pom, là. En même temps, ce sera encore plus simple de sélectionner la bonne quête, tant qu'à faire. Comme ça, moi, je suis sûr d'aller dans la bonne direction. Ça fait bizarre de revenir à un environnement où il n'y a pas de neige.
Attendez, il fonctionne comment déjà lui? Carnet, catalogue des machines. De feu. Ça, ça craint le feu, la déchirure. Tout. Ok. Et le corps craint le gel. Un en moins. Aïe. Là par contre, tu m'as bien eu. Je suis entre tes pattes. C'est bon, là je pense que tu vas mourir quand même. Aïe, non, peut-être pas tant que ça en fait. Bon, d'accord. Allez, dis-moi que tu as ce qu'il me faut, s'il te plaît. Ça devrait suffire là. Varga peut compléter son souffle de forge. Yes. Bon bah, à nouveau petit voyage. Direction Varga. T'es où? T'es là. Là-haut, ici. C'est le feu qu'il faut que je vise, pas la mission. À chaque fois, je me fais avoir. On y est. Alors, Varga, où es-tu? Tu es là. T'as trouvé des choses intéressantes? C'est possible. Je vais te dire. Carrément que je trouve des choses intéressantes. Tiens, un cadeau. J'ai ce que tu voulais. Montre-moi ce que t'avais en tête pour le souffle de forge. Enfin! J'avais l'impression de négliger ma belle. Et ça me rappelle un peu trop ma famille. Elle est prête et elle est à toi. Prends bien soin de ma belle. Superbe! Je m'attendais presque à ce que tu la transformes en un lance-corde enflammé. Non, elle était pas loin de la perfection. C'est une création Varga, après tout. Merci pour le souffle de forge. De rien. T'es tellement mieux pour elle que son ancien propriétaire. Tu parles d'un sale fumier. Ben merci madame. Si je trouve un truc qui peut te plaire, je reviens te voir. T'as intérêt ? Sauf qu'on a fini la quête, donc je vois pas ce qu'on pourrait bien faire de plus en fait. Et voilà, on a le souffle de forge amélioré. On peut peut-être aussi lui offrir quelques petits points supplémentaires. C'est fait pour faire des flammes, donc. Allez hop, Taïo. Et voilà. Je crois qu'on est bien, là. Du coup, on va se faire un dernier voyage. Je pense qu'il reste à peu près 2-3 vidéos avant qu'on arrive vraiment à la fin de l'extension. Allez, on va aller là-haut. À côté de la zone de chasse, on va voir comment les choses peuvent bien se passer, sauf que, comme d'habitude, je vais pas réussir à avoir le... retour carte, toutes les icônes. C'est embêtant parce que les feux de camp, ils apparaissent jamais là-haut. Bon bah tant pis. On va aller à celui-là, puis je monterai à pied. On se retrouvera dans la prochaine vidéo quand je serai là-haut. Bref, on va s'arrêter ici pour celle-ci de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, en particulier à Nemesis, Elanor et Celt pour les cadeaux. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif, n'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstéjeux.fr ou sur mon blog itisan3.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Salut.